Yo les petits potes, c'est Valou, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Grosse dégustation sa mère. Yo les petits potes, j'espère que vous allez bien. Les amis, première dégustation depuis le retour du Canada. Je l'ai pas fait la semaine dernière puisque on a bombardé de vidéos. Et parce que on a trop mangé au Canada en fait. On a simplement trop mangé, il fallait que je fasse une petite pause. Et on va même pas reprendre avec du salé. Puisque pour la première fois, je pense que c'est une des premières fois sur la chaîne, on va faire une dégustation sucrée. Simplement, pendant qu'on était au Canada justement, j'ai reçu plein de messages comme d'habitude, parce qu'en fait en gros il y a le premier burger sucré, vous le savez sûrement, vous l'avez sûrement vu pop dans votre sur votre Twitter ou votre Facebook ou votre réseau social sur lequel vous êtes, mais le burger du coup sucré, le Mac Choconuts il me semble, je l'ai sous les yeux donc je peux pas me tromper, puisque comme d'habitude je vous ai préparé ma petite fiche, simplement j'étais sur le site les gars, j'ai tapé Mac Choconuts et j'ai regardé un petit peu à quoi il ressemble, et sachant que du coup ça fait maintenant une semaine et demie, deux semaines qui est sorti, il y a eu beaucoup de messages, beaucoup de déceptions autour de ce burger. Parce que là de l'allure au niveau de la photo, clairement il donne la dalle. Franchement il donne vraiment envie, même pour quelqu'un qui aime pas le sucre, il donne vraiment envie. Regardez, c'est un burger du coup avec, je pense que c'est du sucre au dessus, un petit bun doré avec du Nutella. Il me semble que c'est vraiment du Nutella. Ah quoique je sais pas si il y a un palais saveur choconuts croquant et fondant. Non je sais pas du coup si c'est du Nutella. Non je pense pas que c'est du Nutella. Mais bref, vous voyez il donne bien envie. Ils ont même fait un au beurre de cacahuète. Alors celui-là il me donne encore plus envie. C'est du coup du chocolat avec du beurre de cacahuète. Mais apparemment il est visuellement dégueulasse quand vous le recevez. Bah du coup on va voir ça. Et en plus l'avantage c'est que je vais en prendre plusieurs, puisqu'il y en aura un pour moi, je vais m'en prendre un de chacun. Un chocolat classique, un beurre de cacahuète. Il y a Pidi qui va goûter aussi. Yeah. Et du coup je vais en prendre aussi d'autres, puisqu'on va aller au loco. Il y a Bouzeux et il y a Teka. Du coup on va leur faire goûter ça aussi. Ils donneront leur avis et puis on verra de quoi ça en a l'air. Du coup on se retrouve tout de suite, on va aller au McDonald's. D'ailleurs petite précision pour ceux que ça intéresse, si vous avez envie de goûter, c'est pas au McDo classique, il faut qu'il y ait un Mac Café. C'est servi uniquement dans les Mac Café, fait sur mesure. D'accord, bonne précision monsieur Burger, parce que je ne pense pas que tes abonnés étaient au courant. Ouais, ils étaient pas au courant je pense. Fait à la commande et servi chaud. Allez à tout de suite. Ah oh, j'ai réussi Loulou. Non pas du tout. Code créateur Valouz les gars. Bah oui c'est vrai, je vous ai pas dit. Ouais. On est avec Mumu et Bug. C'est la première fois qu'on les prend non? Au drive. Ouais je pense. Attends, il est ouvert 24/24? C'est 24/24 vendredi et samedi. Ah ouais ok, c'est lourd. Marga, il est là. Ouais t'inquiète, on a compris. Merci d'avancer jusqu'à la prochaine borne. Mais regarde, mais lui il a vu les burgers, il est... Bonjour. Je vais vous prendre attendez, qu'est-ce que je vais prendre d'ailleurs? J'avoue, j'ai pas pensé. 5 les burgers au chocolat là, je vais en prendre 5. Allô? Les Mac Choconuts. Mais y'a personne là. Mais si, je suis en train de parler avec une dame. Vous êtes là? Noisette. Ouais, noisette et 5 autres. 5 à la noisette et 5 au beurre de cacahuète. J'ai l'impression que je suis en train de gueuler comme un vieux. On dirait mon père. Tu veux voir un autre? Oui. Est-ce que vous pouvez mettre une bouteille d'eau pétillante? Pardon? Une bouteille d'eau pétillante. Toujours, merci. J'ai jamais gueulé autant. Mais elle marche pas leur machine. Hein? Un grand. Comment? Grand moyen. Une bouteille d'eau, la bouteille? Bouteille normale. Ouais, normale, ouais. Mais je croyais la tivelouse. Mais j'ai compris. Ça fait 24,60€ avec. Ok, ça marche. Attends, je te jure, j'ai entendu Valouz aussi. Aussi. Elle a dit Valouz, j'ai entendu Valouz. Moi aussi. J'ai entendu Valouz. Oui, mais moi aussi. Bonjour. Je crois qu'il veut un burger aussi. Du coup, j'ai payé combien? 24,60€. Ah ouais. C'est 2,20€ le burger. Ça coûte plus cher les viandes. Ouais. Et combien les viandes? 2,60€. Wow. J'en ai pas pris pour vous, hein. Vous allez simplement faire des léchouilles à TK. Il les a jamais vus en plus. Non. Eh ben, on va arriver au coup chargé. Hein. Ah oui, parce que vous avez pas su. Elle a fait des mousses au chocolat. Donc en plus de 10 burgers, il y a des mousses au chocolat à manger. En fait, c'est goûter. Ouais, c'est le goûter au loco. En fait, je vous explique un petit peu. Ah, mais putain. Je vous explique un petit peu. J'ai fait des mousses au chocolat maison. Il y en a que j'ai acheté au supermarché. Donc c'est des industriels, bien évidemment. Et du coup, le Bouzeux, Valouz, TK et Doc Jay-Z devront goûter mes petites mousses au chocolat et devront deviner laquelle est la mienne. Sa vidéo, c'est la semaine prochaine, du coup. Ouais. Dimanche midi, la semaine prochaine. Oh. Oui, c'est long, nous aussi on attend. C'est long, papa, on a faim. Pourquoi ils sont déchaînés comme ça, là? Mais tu vas mettre des poils sur mes mousses. En fait, on va manger de la bave. Et vu le temps que ça met... Trois mots.
Chocolat. Ouais. Poubelle. Ouais. Et casse-noisette. Chocolat, casse-noisette, c'est quand même similaire. Putain, je pensais à noisette. Il y avait noisette dans ma tête et j'ai dit casse-noisette pour esquiver le noisette. Ouais, non. Trois mots. Voiture, infirmerie et australopithèque. Ils étaient travaillés en l'occurrence. Non, je te jure que non. D'où tu sors australopithèque? Je sais pas. C'est la première fois que je t'entends dire australopithèque. Je sais pas, j'étais perturbée. Je voulais dire un mot qui était pas du tout dans Tu voulais dire hospital? Non. Et vous, trois mots. Pour vous dire, à chaque fois qu'on vous demande trois mots, on regarde les commentaires, on est mort de rire. Ouais, j'avoue. Hop. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Bon. Au revoir. Pourquoi tu lui as dit au revoir? Parce que j'ai fait au revoir, les deux chiens qui disent au revoir. Elle est en train de regarder les toutous. C'est vrai. Bah, même quand tu tapes une barre, hein, t'es au drive, tu vois deux petits oies comme ça derrière. Yes. Bah, Zébardi, ils ont les locaux. Direction Zébardi, les locaux. Mais non. Lâchez les monstres. Aïe aïe aïe, c'est l'heure du goûter les enfants. Ça va? Attends, mais tu reviens de McDo? Ouais, j'attends le dessert là. Ah, t'as pris les machins là? J'ai pris les burgers sucrés. Mais non. Si, j'ai pris les burgers sucrés. Mec, tu sais que j'arrête pas de voir ça sur TikTok, je sais pas où, sur Twitter. Genre, en photo, apparemment, ils ont l'air dégueulasses. Ouais, apparemment, ils ont l'air dégueulasses. T'as regardé, t'as vu? Non, j'ai pas encore vu. T'as pas regardé? Non, j'ai pas encore vu. Mec, Mustang. Bah, du coup, les gars, là, c'est gros goûter, hein. On est pas obligé de tout manger, je vous le dis, hein. Vous avez faim ou quoi? Merci. T'as faim, toi, TK? T'as faim, TK? Ah ouais, je suis bien là, ouais. Je sais pas à quoi ça ressemble en vrai. Hein. Et ils ont mis longtemps à les faire. Hein. Ouais. Donc je pense qu'ils doivent être tout chauds. Les amis, on va déballer tout ça. J'ai pris. Vous avez bien le beurre de cacahuète ou pas? Non. Juste par curiosité, goûtez-moi. Ouais. Putain, j'avoue que TK, ta tête, j'avais pas vu du coup. Ouais. T'as un œil au beurre noir et tout. Tiens, dans les vidéos, ça, on dirait pas, ça se voit pas. Ouais, trop. J'avoue, ça se voit pas. Et là, toi. Putain, j'avoue. Ah, c'est pas les trucs de Saint-Valentin, là, je sais pas quoi, là? Je t'avoue, j'en sais rien pourquoi ils ont sorti ça, gros. Là, c'est les classiques, il me semble. Et dedans, ça doit être les beurres de cacahuète. Variation, à mon avis, ouais, ça c'est les beurres de cacahuète, ça. Bon, moi, je préfère, du coup, les normaux. Je pensais qu'ils les connaissent tellement, en fait. Bah, vous aussi. Vas-y, bah, écoutez. Bah, les gars... Partez chacun sur un classique, à la limite. Vas-y. Et puis, ouais. J'avoue, en fait, c'est soirée, tu sais. Ah oui, d'accord. Ah ouais. Ah oui, d'accord. Ah oui, donc les gars, là, Valouz au montage, il va nous mettre la vraie image. Attends, je te la montre comme ça, au moins toi tu vois. Ah ouais, d'accord. Vraiment, le mec, il s'est posé, il a chié dessus. En vrai de vrai, je savais qu'il ressemblait à ça parce que j'avais vu des photos, mais je pensais que c'était les pires, tu vois. Ouais. Qu'il y a des gens... Ah ouais, attends, mais je vais te montrer à quoi ça ressemble. Vraiment, quoi, tu vois, caca de lendemain de soirée, quoi. Ouais, c'est rien. Après, peut-être au niveau du goût, c'est bon, hein. À voir. Attends. Attends, non, ça le crevard. Regarde, mais comment ça ressemble. Ah ouais. Regarde, hein. Énervé là. Ça c'est la version de la pub, quoi. Les petits grains sur le pain là déjà là. Ouais. Mais oui, j'avoue. Ils sont passés où les petits bah, j'avoue, il y a même pas. Ça c'est leur burger, quoi. Ça c'est leur burger sucré, gros, mais ça. Attends, moi je vais déballer le beurre de cacahuète du coup. Oh, le beurre de cacahuète. C'est bon. Oh, ça donne. Oh non là là. On dirait qu'il a éternué dedans. C'est la période de la grippe des rhumes. Regarde, gros, mais... Par contre, il est gourmand en vrai. Attention, tu vas faire. Ouais, il est gourmand, mais non. C'est trop. Regarde, il ressemble à la photo là. Pardon. Bon, sur la photo, tu vois, il est plus haut. Il paraît plus haut. Bah, vas-y, je goûtons. En tout cas, ça sent bon la brioche. Hein. Vas-y, goûtons. C'est parti, ma vas-y, les gars. 1, 2, 3, let's go. Bah, ça ressemble à du brioche au chocolat, du Nutella, quoi. T'as l'impression que c'est une viennoiserie avec du Nutella. Oui, c'est ça. Par contre, ça goûte Nutella. Hein. Et il vend ça combien? 2,20. Ça va, hein? Ça va. 2,20? Bah, 2,20, 2,75 ou je sais pas quoi. Ouais, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Ouais. Quand tu vends une bouteille d'eau de 2,75, tu peux vendre la tartine Nutella 2€. Vas-y, c'est du Nutella ou pas? Non. Pas aussi bon. Ça ressemble à Nutella? Merde, putain, j'en mets partout. Chocolat. Ah, là, c'est du Nutella. C'est merde. Le il est plus fort. Mais j'avoue que ça ressemble grave à une Nutella. Hein. Beurre de cacahuète, on le sent pas. Moi, franchement, ça au petit déjeuner, je dirais pas non. En vrai, j'avoue. En vrai, j'avoue. Même, ouais. C'est vrai que d'aspect, il est dégueulasse, mais. Au petit déj, je dirais pas non. C'est gourmand. Hein. Ouais. C'est vrai que le rendre gourmand comme en photo comme ça. Ça en met vraiment beaucoup en vrai. Donc, je suis sûr, lui, il serait plus écœurant que cette version-là. Non, c'est pas mal. Je vais goûter normal. Ça se tape. Ah, c'est curieux de goûter le beurre de cacahuète. Sympa, hein.
On voit pas tout des globes, hein. Moi je suis pas sucré du tout. Hein. C'est la première dégustation sucrée que je fais sur ma chaîne. Sérieux? Ah bah tiens, d'ailleurs, ouais, c'est on va pas la dégustation, il faudrait qu'on en frappe une, toi, quand même. Vous avez entendu, hein. Maintenant, entre celui-là, entre le chocolat normal et le beurre, ça, tu préfères tiens, je préfère le chocolat normal. Moi je préfère le chocolat normal aussi. Parce que lui, le beurre de cacahuète, il a pas du tout de goût et du coup, t'as l'impression que c'est du beurre le truc. Les gars, j'espère que vous avez encore envie de chocolat. Ouais, mais on arrête ça. Ça, on va les laisser. En vrai, je pense que peut-être froid, ça peut être bon. j'ai eu les yeux plus gros que le ventre encore une fois. Non, en vrai, ça va, c'est quand même bien, tu vois. C'est mieux que. C'est un petit burger sucré qu'ils proposent, et ça va. Mais c'est vraiment officiel, ils vont vraiment le laisser pour de bon, ça y est. Bah, ou je pense, ouais. À voir, hein, peut-être que ça a plus se vendre qu'un camoufle. Ouais. Mais... Moi, je préfère largement vrai, un donut, ça. Tu préfères un donut? Ah, le donut chocolat, et je préfère ça que. Bon, bah, Mumu, je peux pas lui faire goûter, c'est du chocolat. Et Bug, pareil. Hein. Bon, du coup, c'est parti pour la mousse au chocolat. Vas-y. Ouais. Bon, bah, les gars, rendez-vous sur la chaîne de Pidi. Bah comme d'habitude, n'hésitez pas, les pouces en l'air, les abonnements et les commentaires, on se dit à la prochaine, et puis brrr, petite dégustation improvisée. Faites délire avec ces... Et comme d'habitude, les pouces en l'air, les abonnements et les commentaires, les gars.